épilogue. Tandis que sur l'herbe étendue, au bord d'une onde enchanteresse, fuyant et la mal paresse, et le travail trop assidu, je ris de l'humaine faiblesse, et j'use mes moments perdus, à médire de notre espèce, mais non pas des individus. Qui peut troubler la paix du monde? Contemplant les plaines de Londres, l'Europe a réclamé ses droits. Napoléon s'arme, il se lève, et dans sa main brille le glaive qui fait et qui défait les rois. Dans les secrets de sa colère, imprudent qui veut pénétrer, j'ignore en quel lieu de la terre Albion va le rencontrer. Mais quels honneurs, mais quelle gloire serait promis à ma mémoire si je pouvais croire aujourd'hui que mes rivaux dans l'art des fables ne me sont pas plus redoutables que l'univers entier pour lui.